Un écocide, c'est un crime contre la sûreté de la planète. C'est un crime contre la sûreté de la planète, contre l'habitabilité de la Terre. Très concrètement, c'est une atteinte grave à des communs naturels, à des systèmes écologiques qui, en étant détruits ou durablement dégradés, menacent les conditions d'existence des populations présentes et futures. Le crime d'écocide est proposé en droit français, mais aussi est proposé en droit international comme un des crimes internationaux les plus graves. Les quatre autres crimes sont le crime contre l'humanité, le crime de guerre, le crime d'agression et le crime de génocide. Le génocide est une atteinte délibérée à un peuple, la destruction d'un peuple. L'écocide, c'est la destruction de la vie sur Terre et donc finalement le risque de menacer la vie de tous sur un moyen ou un long terme. Donc il est important que l'écocide soit considéré comme un crime autonome, le crime premier, celui qui englobe tous les autres, parce qu'effectivement, si les conditions de la vie sont menacées, nos droits fondamentaux à tous sont menacés. La reconnaissance du crime d'écocide. Aujourd'hui, il y a des personnes morales, États ou entreprises qui produisent des crimes contre l'intérêt général et les générations futures.